voici Rome. Au temps où Rome dominait le monde, où Rome s'étendait de la Grande-Bretagne à l'Afrique, de l'Espagne aux confins de la Perse. Sur cette toile de fond, vous assisterez à la chute de l'Empire romain. Ce récit vous conduira dans les coulisses de l'histoire. Il vous révélera les intrigues secrètes des puissants et leurs batailles sanglantes. Vous participerez à une aventure amoureuse pleine de tendresse et de passion. Comme tu es belle. Comme tu es belle. Qu'est-ce que cela veut dire, belle? Vous verrez un film qui dépeint les trahisons et les vilainies qui ont changé la face de l'histoire et provoqué la chute de l'Empire romain. Une constellation de vedettes mondiales apporte le brio de leur talent inégalé à ce spectacle inégalable. Sophia Loren, la fille de l'empereur. Tu étais toujours avec moi, toujours présente. Tu étais à la bataille avec moi. Tu m'accompagnais dans les plaines glacées. Mais tu le sais bien. Oh, Livius. Oui, je le sais. Tu étais près de moi aussi, depuis toujours. Stephen Boyd, prétendant malgré lui à la couronne des Césars. Alec Guinness, dans le rôle de Marc Aurel, le plus sage de tous les Césars. Et ainsi, César doit donner sa fille en mariage au roi d'Arménie. J'avais espéré que les dieux seraient moins cruels. J'avais espéré que tu n'aurais pas à faire un mariage sans amour. James Mason, le philosophe grec qui préféra se faire romain. Christopher Plummer, dans le rôle de Commodus, qui sema les premiers germes de la décadence et perpétra le plus grand holocauste que l'histoire ait connu. Vous direz à vos provinces, l'Égypte, la Syrie, toute la moitié orientale de l'Empire romain, que s'il y a la moindre résistance à mes ordres, je les anéantirai. La chute de l'Empire romain, avec Anthony Quayle, le gladiateur qui ne rêvait que de sang répandu. John Ireland, le chef des barbares. Mel Ferrer, le devin aveugle et assassin. Omar Sharif, le roi d'Arménie, qui eut donné son royaume pour la main de la fille de César, mais ne gagna jamais son cœur. Je pourrais vous tuer, tous les deux! Non, ma sœur. Je ne t'offrirai plus l'occasion de conspirer contre moi. Tu vas immédiatement retourner auprès de ton mari en Arménie. Et tu ne reverras plus Rome, ni Livius. Jamais. La chute de l'Empire romain nous révèle l'infamie des mœurs de l'époque. Le duel à mort entre l'empereur qui était un dieu et le seul homme qui ait osé le défier. Le duel des chars, l'affrontement sans merci de deux hommes sans peur, l'exploit le plus saisissant qui ait jamais été filmé. We'll be right back.
has climbed Mount Everest, gone to the bottom of the ocean. He has fired rockets in the moon, split the atom, achieved miracles in every field of human endeavor, except crime. My plan is foolproof, gentlemen. Who are you? Bond. My name is James Bond. Gentlemen, Mr. Goldfinger has gold bullion on deposit in Zurich, Amsterdam, Caracas, and Hong Kong. As yet, we have failed to discover how he transfers his gold overseas. I think it's time Mr. Goldfinger and I met. Mr. Bond? Yes? This is Mr. Goldfinger. Many people have tried to involve themselves in my affairs. Don't go back to your hotel, senor. They'll be watching you. Choose your next witticism carefully, Mr. Bond. It may be your last. Who are you? My name is Pussy Galore. Baltimore. Asked him to let us know. Last we heard, he was a Switzerland. Operation Grand Slam. I did enjoy the week. You plan to break into the world's largest bank. Not to steal anything. You hardly distinguished yourself, anyway. You were supposed to observe Mr. Bond, and not the bottom of his gun. This isn't a personal vendetta, 007. It's an assignment like any other. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. French nail varnish.